Bonjour à tous, nous allons ouvrir ce grand colloque L'atout du paysage, territoire de la Prépétrole, l'atout du paysage. Nous sommes très heureux, donc le collectif Paysage de la Prépétrole, d'accueillir ce public ample et varié, puisque nous sommes d'origine très diverse. Et l'enjeu de ce colloque, c'est effectivement de se comprendre et de construire ensemble une réplique aux attentes du monde qui a besoin de nous, je pense. Ce colloque va être ouvert par nos partenaires, qui nous ont aidés à monter le colloque et à le financer, bien sûr. Donc la Caisse des dépôts, M. Torail va nous dire un mot, l'ADEME Hauts-de-France, M. Hervé Pignon va nous dire un mot, et puis le bassin minier qui hier nous a accueillis et qui a coproduit donc, particulièrement la journée d'animation et de découverte de terrain hier après-midi, toute la journée. Et Mathilde et Armel sont là puisque c'est elles qui ont conduit l'étude dont ce colloque propose la restitution, l'analyse et les confrontations qui vont ressortir de cet regard croisé sur des dynamiques européennes assez fortement convergentes et en même temps assez singulières, chacune à leur façon. Donc, M. Torail, si vous voulez bien. Merci. Bonjour à tous. Comme l'a rappelé Odile, il n'aura échappé à personne dans cette salle que la société française, la société européenne, connaissent aujourd'hui une crise. Une crise qui est largement celle de ces modèles de production. Le changement climatique, la diminution de la biodiversité nous imposent aujourd'hui de modifier nos modèles de production énergétique, de production agricole, de production urbaine. Et les premiers effets de cette crise, qui sont particulièrement sensibles ces derniers jours, mais le seront probablement encore plus à l'avenir, nous rappellent l'urgence dans laquelle nous sommes. Les solutions existent et doivent être mises en place rapidement, et c'est d'ailleurs la raison qui nous réunit aujourd'hui. La Caisse des dépôts tente de s'adapter également pour prendre la mesure de ces enjeux et proposer sur chaque territoire un accompagnement aux acteurs locaux qui souhaitent mettre en place des projets de développement plus vertueux. Dans les Hauts-de-France en particulier, elle a par exemple signé ces dernières semaines deux premiers contrats de transition énergétique et solidaire avec la communauté urbaine d'Arras et avec le territoire de Sambre à Venois. Elle intervient également auprès de la région, auprès de la métropole de Lille, auprès de nombreux territoires démonstrateurs pour accompagner la mise en œuvre de projets de développement qui tiennent compte de ces enjeux. Par ailleurs, et c'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui, la Caisse des dépôts a lancé en 2016 un programme de soutien en mécénat à l'architecture et au paysage. Son objectif est tout à la fois de promouvoir l'expérimentation, la recherche, l'innovation, afin que l'architecture et le paysage viennent renouveler de façon vertueuse de la façon dont nous aménageons nos territoires, mais aussi de mener un travail de fond, un travail de sensibilisation à l'importance des questions architecturales et paysagères et à la façon dont elles contraignent ou libèrent nos cadres de vie. Le collectif Paysage de la Prépétrole mène justement ce double travail. Il était donc logique que nous apportions notre soutien à l'organisation de ce colloque. Les différentes études de cas qui nous seront présentées aujourd'hui viendront nous rappeler combien l'approche par le paysage constitue une approche globale et cohérente pour mener une nécessaire révolution dans les systèmes de production que j'évoquais en introduction. Le paysage est d'abord un angle de vision, un regard, puis il devient un angle d'attaque, une méthode. Sa valorisation permet de lutter contre la banalisation des territoires, pour faire droit à l'ici, au singulier, au spécifique, au situé. Ce qui se fait là ne peut pas, ne doit pas être fait ailleurs à l'identique. Et les expériences qui nous seront présentées aujourd'hui viendront d'ailleurs souligner la multiplicité des pistes et des solutions qui sont imaginées partout en Europe pour faire du paysage l'une des réponses aux difficultés de notre temps. J'aimerais dire enfin que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est en somme un exercice en optimisme pour nous aider à résister au découragement qui peut nous saisir parfois face à l'ampleur de la tâche. Un optimisme lucide, certes, nous sommes dans l'urgence quand le paysage nous demande justement de prendre racine dans le temps long, mais un optimisme tout de même. Je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque. Bonjour à tous. Alors, dans la foulée de ce que vient de dire le collègue de la Caisse des dépôts, moi aussi, je suis venu au nom de l'ADEME pour vous remercier. Donc, remercier d'abord l'organisateur.
Le collectif paysage d'après pétrole, d'après l'ère du pétrole, de l'après pétrole si tu veux, bien évidemment. Remercier aussi le territoire, les acteurs du territoire, la ville de Los Angeles, la communauté d'agglo de Lens-Liévin, le pôle métropolitain de l'Artois, la mission bassin minier de nous avoir associés. C'est pas du tout de la flagornerie déplacée, c'est être associé pour les raisons que je vais évoquer maintenant. Par rapport aux trois grands défis que tu as rappelés dans tes propos, je pense à la raréfaction des ressources, donc un modèle de développement qui utilise des ressources qui sont de plus en plus rares, qu'elles soient fissiles, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient matières premières. Ben ça veut dire qu'à un moment donné, on bute sur des limites, donc c'est de plus en plus cher notre fonctionnement quotidien. La deuxième limite, le deuxième gros sujet, c'est celui de l'emploi, de l'activité. On voit bien que notre modèle de développement, notamment pour l'Occident, a globalement plutôt fonctionné, a créé de l'activité avec des grandes époques, avec des grandes périodes industrielles. Puis aujourd'hui, on bute avec un chômage chronique et avec finalement plus une production de chômage que d'activité. Donc deuxième défi absolument énorme. Et puis le troisième, et tu parlais d'urgence, c'est celui du réchauffement climatique, où là on voit bien la patte humaine dans son mode de développement, et on voit bien que ça s'accélère. Donc ce triple challenge appelle une réponse majeure que, selon les époques, en tout cas aujourd'hui, on appelle transition énergétique, repenser notre rapport à l'énergie, et transition écologique, finalement repenser notre rapport à la consommation, notamment consommation d'espace, consommation de matières premières. Versus troisième révolution industrielle, grosse dynamique, belle dynamique à la manœuvre depuis quelques années dans cette région des Hauts-de-France, qui est une traduction, une construction, une anticipation même vis-à-vis de la transition énergétique et écologique d'aujourd'hui. Mais en même temps, on voit bien, quand on emploie le mot transition énergétique, que transition énergétique et paysage sont éminemment liés. Il y a énormément d'interactions, que l'on parle de forme urbaine, que l'on parle de paysage agricole, que l'on parle de ruralité en tant que telle, que l'on parle de vision, tout simplement. Et donc, on a une tension à gérer sur, d'un côté, nous sommes en France, un éloignement, sauf dans certains territoires comme ici, dans l'ex-bassin minier, un éloignement entre les outils de production d'énergie et puis la consommation. Quand je dis outils de production d'énergie, je pense aux centrales, quelles qu'elles soient. Ce sont des centrales qui sont dans certains sites. Il n'y en a pas partout en tant que telles. On était sur une concentration de la production d'énergie. Si je prends l'exemple de la distribution d'énergie, derrière les centrales ou les moyens de production concentrés, ben on parle d'effacement, d'enfouissement des réseaux énergétiques. Donc pour faire très très simple, ça veut dire que le consommateur ou le consommateur, il est habitué au fil des décennies à ne plus voir d'appareils, de questions énergétiques, d'objets énergétiques dans le paysage. Et en même temps, qui dit transition énergétique dit développement endogène, développement économique par le bas, faire feu de tout bois, récupérer la totalité des calories potentielles, des énergies disponibles, que ce soit celles issues du vent, du soleil, la biomasse, etc. Donc ça veut dire que le paysage est à nouveau concerné, et plus largement les formes urbaines ou les territoires sont à nouveau concernés par cet aspect énergétique. Et c'est ça, cette tension que nous avons à gérer, que nous avons à régler. Et les réflexions que vous menez, le colloque national que vous avez construit est ô combien important, ô combien intéressant, parce qu'il va nous permettre de revisiter cette question de énergie qui est en train de redevenir visible et paysage que l'homme, dans ses activités de tout temps, a contribué à façonner, à refaçonner, à pratiquer en tant que tel. Alors je vais prendre juste un petit écrit de Jacques Tess. C'était dans le hors-série de la revue de l'urbanisme de cet été, où lui disait « Le grand challenge sur cette question-là, c'est de rendre visible l'invisible. » Donc c'est ce que je viens de dire, sauf que lui, c'est Jacques Tess, donc lui, il résume ça en une seule formule extrêmement parlante. Donc ce qu'il nous faut simplement savoir faire, c'est faire du paysage en tant que tel, composer avec le paysage, faire de ça un outil de la transition énergétique.
Et pour l'ADEME, qui est une boutique technico-scientifique qui distribue avec son compère, la Caisse des dépôts et consignations, des subsides dans des contrats de transition écologique, dans tout ce que tu as rappelé juste avant, et ben c'est en même temps un challenge. Parce que qui dit technique, qui dit scientifique, qui dit outils financiers, dit quand même peut-être jusqu'à présent un peu moins d'appétit ou un peu moins d'intention portée sur les questions de sciences humaines et sociales, sur les questions de conduite du changement, sur les questions d'aménagement, d'urbanisme, sur les questions de participation. Et donc bravo d'avoir structuré ça, et je le dis dans l'autre sens, c'est merci de nous avoir permis d'être à vos côtés. Bon, merci beaucoup pour ces bonnes introductions fort substantielles et qui nous permettent d'entrer dans le vif du sujet, mais je pense que j'ai omis au départ de signaler les soutiens pérennes que nous avons trouvés, d'une part auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire depuis plusieurs années, et d'autre part auprès de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. Donc Pape respire grâce à cet oxygène. Comme je disais hier à Mathieu Calam, nous avons la flamme, mais pour qu'il y ait une flamme, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Et donc ces deux structures nous accompagnent et sont conscientes sans doute de la force de proposition que nous représentons. Et effectivement, on a bien l'intention de créer, non pas un incendie, mais en tout cas un feu de joie. Monsieur Bertrand nous a envoyé un message. Et par ailleurs, oui, parce qu'effectivement la région nous a soutenus, nous avions rencontré M. Rapneau, malheureusement disparu entre-temps, qui nous a proposé l'accès à cette salle. Et donc nous remercions la région de son soutien. Et aussi les deux départements qui ont été fort présents dans la construction du colloque, et en particulier dans l'annonce, le relais, qui fait que beaucoup de techniciens et représentants du tissu local sont présents. Donc notre but, c'était évidemment de réfléchir ensemble, mais de réfléchir ensemble dans une situation donnée qui est celle du territoire, et de nourrir le débat par ces échanges le plus divers possible. Je crois que je n'ai rien oublié encore. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet avec donc le bassin minier, dont la présidente s'excuse de n'être pas là. Et donc, Raphaël Alessandri va dire un mot concernant ce partenariat, puisque nous avons monté ces journées ensemble. Et puis je raconterai très brièvement ce qu'on a fait hier pour ceux qui n'avaient pas pu venir. Oui, bonjour. Ben, je tiens d'abord, parce que normalement c'est pas moi qui suis là, c'est Katia Poursopoli, la présidente de la mission Bassin Minier, qui est prise par ses mandats de sénatrice. Donc elle est désolée, elle s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, elle aurait voulu être présente. Elle m'a demandé de remercier le collectif et l'ensemble de ses partenaires pour avoir choisi le bassin minier. C'est vrai que je me suis amusé à regarder un peu nos premiers échanges, ça datait de fin 2015. Donc le sujet, c'est des choses qui se préparent sur le long terme. C'est peut-être pas un hasard si le collectif est venu ici, dans le bassin minier, pour parler d'énergie et de paysage. C'est un beau pied de nez, parce qu'on parle de paysage de l'après-pétrole, et nous, on sort à peine du paysage de l'après-charbon. Donc on demande, il y a un saut à faire qui n'est pas toujours facile. Cette transition écologique ne pourra pas se faire sans une transition culturelle et sociale. Vous évoquiez la difficulté de rendre lisible dans le paysage les aspects énergétiques. Pour le coup, dans le bassin minier, on est un peu à l'opposé, parce que c'est l'énergie qui a construit ce paysage, une énergie éminemment non durable, une exploitation de la terre avec le charbon qui partait à l'extérieur. Mais toutes ces résultantes qui sont encore lisibles aujourd'hui sur le paysage, c'est-à-dire les terriers, les cités minières qu'on a visitées un peu hier, aujourd'hui forment un paysage culturel, évolutif et vivant. Et c'est un peu... C'est un peu l'ambition de l'inscription aussi sur les îles du patrimoine mondial, c'est d'envisager ce territoire comme une ressource, et non pas, vous parliez d'optimisme, d'ambition, et en ce moment on en a besoin, et c'est envisager cet héritage non pas seulement comme un boulet à traîner, mais comme une ressource pour les territoires, à la fois d'un point de vue, y compris de retour en attractivité, de retour en fierté pour les populations. Comment tourner une page sans la déchirer? Donc voilà, je ne vais pas être plus long, mais la notion du paysage et du paysage culturel vivant est extrêmement intéressante et importante. La notion de l'énergie sur notre territoire est importante. La précarité énergétique est très forte dans une grande partie pour la population. La mobilité
ruralité. L'agriculture, c'était un territoire agricole, donc évidemment qu'il y a tous ces sujets qu'on va traiter aujourd'hui, l'urbanisme, l'agriculture, l'énergie, sont au cœur des préoccupations, mais je ne vais pas être plus long parce que la journée va être... Donc voilà, j'excuse encore Cathy qui aurait sûrement plein de choses à dire. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'être là.